À la même époque, une autre femme va bouleverser Michael. Comme Lady Diana, elle est jeune, belle et séduisante, et a priori, elle ne cherche pas à le mettre à tout prix dans son lit, comme ces vilaines groupies qu'il décrit dans ses chansons. À l'époque, Bad, il n'y a pas vraiment de relation connue entre Michael et les femmes. La chose qui se rapprocherait le plus d'une relation amoureuse, c'est la petite idylle qu'il a eue avec Tatiana Thumbtzen, qui est une danseuse qui avait été recrutée pour apparaître dans le clip The Way You Make Me Feel. Elle était très amoureuse de lui, elle l'a poursuivi de ses assiduités pendant quelques années. Et la relation a en fait un peu culminé pendant un des concerts du Madison Square Garden, du Bad Tour, où elle était sur scène. Elle jouait le rôle de la fille de The Way You Make Me Feel qui passe sur scène et que Michael poursuit. Et à un moment, elle l'attrape par la chemise et elle l'embrasse sur scène devant tout le monde. Et il y a des photos pour le prouver. Un baiser qui va coûter très cher à Tatiana. Dès sa sortie de scène, le manager de Michael, Frank DiLeo, furieux, la vire de la tournée. Michael est célibataire et doit le rester aux yeux du grand public, comme les Beatles ou encore Elvis en leur temps. Ils ne sont jamais sortis ensemble, mais il l'a trouvée ravissante. Pour lui, c'était la plus belle femme au monde, ou du moins l'une d'entre elles. C'est vraiment dommage car Michael était attiré par les femmes. Michael n'était pas gay. Il était vraiment attiré par les femmes. Dans Moonwalk, son autobiographie parue un an après la sortie de Bad, Michael livre sa vérité sur les femmes.